Alors, la version française. La fourmi travaille dur tout l'été dans la canicule. Elle construit sa maison et prépare ses provisions pour l'hiver. La cigale pense que la fourmi est stupide. Elle rit, elle danse et joue tout l'été. Et une fois l'hiver venu, la fourmi est au chaud et bien nourrie. La cigale, grelottante de froid, organise une conférence de presse et demande pourquoi la fourmi a le droit d'être au chaud et bien nourrie, tandis que les autres, moins chanceux comme elle, ont froid et faim. La télévision organise des émissions en direct qui montrent la cigale grelottante de froid et qui passe des extraits vidéo de la fourmi bien au chaud dans sa maison confortable avec une table pleine de provisions. Les Français sont frappés que dans un pays si riche, on laisse souffrir cette pauvre cigale tandis que d'autres vivent dans l'abondance. Des associations contre la pauvreté manifeste devant la maison de la fourmi. Des journalistes organisent des interviews demandant pourquoi la fourmi est devenue riche sur le dos de la cigale et interpellent le gouvernement pour augmenter les impôts de la fourmi afin qu'elle prenne sa juste part. En réponse au sondage, le gouvernement rédige une loi sur l'égalité économique et une loi rétroactive à l'été d'anti-discrimination. Les impôts de la fourmi sont augmentés. La maison de la fourmi est préemptée par les autorités car la fourmi n'a pas assez d'argent pour payer l'amende et ses impôts. La fourmi quitte la France pour s'installer avec succès en Suisse. La télévision fait un reportage sur la cigale, maintenant engraissée. Elle est en train de finir les dernières provisions de la fourmi, bien que le printemps soit encore loin. L'ancienne maison de la fourmi, devenue logement social pour la cigale, se détériore, car cette dernière n'a rien fait pour l'entretenir. Des reproches sont faits au gouvernement pour le manque de moyens de rénovation. Et une commission d'enquête est mise en place, ce qui coûtera 10 millions d'euros. Libération et Humanité, l'Humanité commente l'échec du gouvernement à redresser sérieusement le problème des inégalités sociales. La maison est squattée par un gang d'araignées immigrées. Le gouvernement se félicite de la diversité multiculturelle de la France. Les araignées organisent un trafic de marijuana et terrorisent la communauté.